Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des Tech Fragments, de comment obtenir des RPM ou des OEM à l'aide justement de ces fragments de technologie. Donc actuellement je me trouve sur la flotte de l'Empire et on va tout simplement aller se diriger vers les réserves. Et on va aller prendre la quête sur le petit boîtier qui est juste ici. Hop, on va l'accepter. Et voilà, et donc on nous dit d'aller au bazar et on va accepter la quête. Donc pour vous rendre au bazar à partir de là, c'est tout simple. Vous avez juste à aller à cet ascenseur là sur la flotte et on va s'y rendre tout de suite. Et donc maintenant il va falloir qu'on trouve une petite boîte qui se trouve en fait juste derrière ce conteneur. Comme vous le voyez ici. Et on va cliquer droit dessus. Et on nous demande si on veut faire un échange. Donc on va bien sûr déposer 10 000 tech fragments, donc des fragments technologiques, et puis ensuite on va cliquer sur continuer. Voilà, et justement on reçoit cette quête. Donc j'ai le choix entre ces deux trucs, un RPM ou un OEM, et on va regarder un peu le prix respectif de ces deux trucs. Donc le RPM vaut actuellement 38 millions et le OEM vaut actuellement 33 millions. Donc voilà, c'est plus rentable de prendre le RPM. Et puis comment on y a accès à ce RPM? Donc vous allez dans l'inventaire des matériaux, vous tapez RPM, et là vous faites un clic droit et vous y avez accès. Et donc voilà, c'est une méthode très simple de se faire 40 millions de crédits du coup. Donc on va vendre ça pour, imaginons 37, et voilà. Et là mon RPM va normalement partir. Et puis c'est une méthode du coup très simple de se faire des crédits rapidement quoi. Par contre, comme vous le voyez maintenant, j'ai plus aucun fragment de technologie. Voilà, il y a même plus écrit. J'en ai 8 sur 10 000 actuellement, juste parce que j'ai désintégré les bots, quoi. Et puis, c'est à peu près tout pour cette vidéo assez courte. Je me suis dit que ce serait peut-être assez utile que je vous montre comment on fait concrètement pour obtenir des RPM et des OEM à partir de 10 000 fragments de technologie. C'était Envivius, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une prochaine vidéo qui sera probablement une update des vidéos présentation de classe. C'est-à-dire que je ferai une grosse vidéo avec quelle classe choisir pour un débutant en 6.3 et quelle classe choisir en général avec peut-être un petit peu un truc qu'est-ce qui est bon en PvP, qu'est-ce qui est bon en PvE, où on parlera un petit peu des bonus de set et des tactiques. Je verrai si j'ai le temps ce week-end de faire cette vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.